Bonjour tout le monde, ici Dark Gaming et bienvenue chez Orcs Mortal 3. Alors, petite vidéo spéciale commentée parce que ce jeu-ci est sorti sur le Xbox Game Pass, ça fait quelques semaines et je l'ai saigné, j'ai adoré le jeu, donc petite vidéo présentation du jeu gratuit d'Epic Games. Et étant donné que oui, c'est sur PC maintenant et que j'ai pas encore ce qu'il faut pour enregistrer mes gameplays sur Xbox, ben là, sur PC, j'ai l'intention de faire plusieurs vidéos sur ce jeu. On va voir les modes. Ça, c'est la première campagne. La deuxième campagne ici. La deuxième campagne, quand on a fini la première. Et ça, c'est d'autres campagnes qu'il faut acheter. Ici, c'est Scramble, c'est un autre mode de jeu. Le niveau 12, c'est ça, faut terminer plusieurs niveaux pour débloquer des trucs. Ça, Scramble, dans le fond, on commence avec, vous allez voir plus tard, mais on commence avec 100 soldats. On a plusieurs étapes, level à passer et dans le fond, faut survivre avec le nombre de soldats qui nous est donné. Mais de toute façon, je vais vous expliquer ça, si c'est pas dans cette vidéo aussi, c'est dans les prochaines. Et si c'est à la fin, ben, tu peux jouer des heures de temps sans que ta partie se finisse. Pour voir, je me suis rendu à un moment donné sur Xbox level 50. Tu as coup, tu as pogné la technique et tout, ça va bien. Et ça, c'est le défi hebdomadaire. Ça, quand tu fais le défi hebdomadaire, on va essayer vite fait. C'est un défi, on voit le score que j'ai fait pour tester justement. Mais les films de modèle, je crois que c'est un par semaine et tu es obligé de faire le niveau avec ce qu'il te donne, un arme, un piège et tout. Alors, je vais arrêter de parler, on va commencer tout de suite la première campagne. Et bien sûr, on commence de base, donc on n'a absolument rien d'évolué. Alors, on a plusieurs niveaux de difficulté appréhendés, plus lent, plus faible, temps illimité, la difficulté recherchée, ça c'est le normal. Ça, c'est les beaucoup plus hard. Quand on aura débloqué celui-ci, on fera des parties, bien sûr, en vidéo. Sur ce mode-là, je vais faire celui-ci, le mode normal, quoi. Oui, je vais jouer solo. On peut jouer également à deux, ça, c'est vraiment le fun. On fait OK. Et c'est parti. Maximilian est parti. Personne ne sait où il est. On va laisser aller la petite cinématique. Il m'a laissé, moi, avec ses enfants. Né avec la capacité d'utiliser la magie des failles, Egan ne connaissait pas sa puissance. Kelsey était la novice la plus studieuse de l'ordre, mais elle manquait de contrôle. Je devais tester leurs capacités. Un véritable ogre vous aurait déjà dévoré. Pardon, sorcière. Croyez-moi, vous auriez préféré ce destin. Ah oui, tu vois la voix qui fit pas avec la personne. Waouh, tu peux vraiment pas dire des trucs intelligents. Ah, c'est elle. Venez, la récré est terminée. Allez, je vais commencer. Attends, allez, hop, hop, hop. Bon, parfait, on a un choix entre deux persos. Kelsey était la novice la plus studieuse de l'ordre, l'arme principale, le tremblant amélioré de Max, capacité de déplacement spécial, lévitation, et Egan. Lui, je crois que je vais peut-être prendre celui-ci, ni avec la capacité de la magie des feuilles. Arme principale, l'arc. L'arc, perso, entre les deux armes principales, j'aime mieux l'arc, mais après ça, tu peux choisir l'arme que tu veux quand tu as débloqué des trucs. En principal, l'arc, capacité de déplacement spécial, coup au sol. Ok, c'est le coup. Ben, on va y aller pour Allons-y. Lui. Bon, parfait. Ça, on commence avec... c'est ça, oui, avec les pièges qui nous a présentés ici. Ça, c'est nos pièces, dans le fond, pour pouvoir dépenser nos pièges. On voit ici 300, 600, 700. Continuez. Souhaitez-vous de l'aide pour les bases? Moi, je connais le jeu, mais je vais quand même cliquer oui pour vous donner une idée. Oh, oh. Les ennemis qui réussissent à franchir la faille font baisser les points de faille. S'ils tombent à zéro, vous perdez. C'est ça que je disais tantôt avec le mode de Scramble. On commence avec 100
points de force. Un ennemi, c'est un point. Et il faut faire toute la durée du level sans que ça tombe à zéro, quoi. Barre de charger de pièces et d'armes. Ok, oui, c'est ça, oui, ils sont ici. Dépensez vos pièces pour les pièges. Continuez. Ok, la pose de piège est critique. Ça, j'aime bien ce piège-là, il est cheaté. Un coup, parce que oui, on peut évoluer les pièges au bout, différents dégâts qui projettent, les pièges que vous souhaitez poser. Regardez, une surface est posée. C'est ça, c'est la surveillance. On peut pas. Les héros ont des capacités de déplacement secondaire. Appuyez deux fois sur le bouton de saut. On va le tester avec lui, vous allez voir ce que ça fait. Les armes ont des capacités secondaires. Ouais, c'est ça, oui. Secondaire utilise de la mana. Bon, parfait, okay. C'est ça. Ce n'est assurément pas une faille de l'ordre. Sauter. Ouais, j'aimerais vous dire que je le savais, mais en fait, non. Si on tape deux fois, ça va étourdir les ennemis. Vite, posez les pièges et soyez prêts. Donc, celui-ci, c'est des pics. Dès que je le pourrai. Comment l'entendre alors qu'on ne peut pas la voir? La télépathie, gros malin. Il sort du sol. Essayons ces pièges sur le terrain. À propos, fermez sa gueule. Des pièges qui sortent du sol. Et vous allez voir, on peut avoir une multitude de pièges, mais qu'on va débloquer au fur et à mesure. Ça, c'est des pièges et c'est des pics qui vont sortir bam, 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 de côté comme ça. On va mettre ça ici. Et le reste, je crois que, écoute, on va y dépasser, hein. Et c'est ça, oui, faut, vous voyez, les points de force, il y a haut 20, faut toffer avec les 20 pendant les 4 vagues. Mortel! Bon, X pour l'instant. D'accord. C'est parti. Ça, c'est le tir de base. Ça, c'est le go. Il dépasse la petite barre bleue, là, c'est les barres d'énergie. Une percée de l'une de nos le tir de base, ça prend pas, regardez. Détruite! Ils arrivent! Oh! Je suis habitué sur Xbox. J'ai tout débloqué ou presque, donc c'est très facile. Ouais! Ça a l'air bien! Donc, commencer au début avec seulement ces pièges-là, c'est un peu chaud, quoi. Il y a plusieurs armes aussi que j'aime bien. Ok, oui, ça m'a fait peur. Vous voyez à gauche à l'écran, vous allez voir un petit temps quand on va avoir fini les 4 vagues. Ok, là je vais mettre un truc, c'est ça, quand on a fini une vague, on a des points supplémentaires. Je vais mettre ça ici. Parce que c'est très efficace. On va aller mettre d'autres. Ça va les prendre au dépourvu. Tiens, toi. La vague 3 sur 4. Habituellement, moi, je suis pas certain de m'arrêter au cul. Mais c'est juste des fois. Regardez le son. Encore un jour, avant je fais pas. À chaque dernière vague, on ne prend un boss. Et puis, je distingue les autres. Donc, on va voir ce toucher. Bon. Wow. Ah oui, commence à en avoir beaucoup. Quand qu'on tape pas parti, ils vont essayer de nous frapper, vous voyez. Faire attention. On a réussi. Bon, là, la dernière vague, c'est le temps de... Hein? Mettre un petit truc ici. Un autre ça ici. Va déchirer. Grave. Ok, c'est parti. Et c'est ça, oui, gars, vous voyez, rien de par ici, regardez la petite map en haut. Faut pas qu'il se retrouve au point bleu, je vais aller vous montrer vite fait, on a le temps. Il faut surtout pas qu'il rentre ici. Là, je vais retourner mon truc. Et si je pèse la flèche de droite, tu m'as amené de Xbox, on voit la map en gros. Ça
Ça va faire du grabuge. Si vous voyez que certains ennemis sont au point de vue, c'est normal parce que les pièges viennent de certains temps avant de se régénérer. Je peux le faire. Ah, je me sens bien. Oh non, réussi. Ah, on n'a pas eu de boss cette fois-ci. Je vais peut-être faire un autre niveau pour vous montrer. Oh non, vous voyez, ce sont les crânes. Les crânes nous permettent d'acheter et d'améliorer les armes et les pièges. Là, on devrait dire, ah oui, ça va être le fun. Celui-ci, le pilier de gravité, ça fait monter les ennemis au sol, c'est très pratique. Alors, souhaitez-vous de l'aide pour le grimoire? Non, pas pour ça. Là, c'est ce qu'on a de débloquer. Ça, c'est le tromblon, c'est un arme aussi qu'on peut se mettre. Ici, on a plusieurs pièges qu'on peut, vous voyez l'écran et tout. Moi, ce que j'aime beaucoup, attends, d'autres trucs, faut que je trouve. Ah, c'est lui. Lui, il est très chuté. Honnêtement, là. On va l'améliorer à fond. Oh putain, on peut pas. Ok, c'est bon. Quand vous allez pouvoir essayer, quand vous allez débloquer plutôt, infliger des dégâts d'arcane, je vous conseille fortement de le prendre. C'est je crois que c'est ça qui fait le plus de dégâts. C'est vraiment très chuté. Alors, dans les 5, on peut prendre d'autres choses pour nous aider des pièges. Je suis en train de regarder vite fait. C'est quoi ça? 6. Ah, ça tire. On voit ici les crasheurs de flèches. Ça se pose au plafond. Ça tire des jambes de flèches. Est-ce qu'on peut prendre d'autres vite fait qui pourraient nous aider? Ah, ça, c'est. J'adore les lasers. Ça se pose également au plafond et c'est des lasers continus. Pas comme les pièges qui sortent du sol et qui prennent un temps avant de se régénérer. Alors, bon, ok, c'est bon. Là, on va aller voir les armes. Ce sont des armes. On a le tremblant. On clique et on peut bien sûr les améliorer. Allez, on augmente la vitesse de rechargement. Alors, on va continuer. On va faire l'autre niveau. Wow. La sorcière me plonge vraiment dans le grand bain. Ouais, c'est beaucoup plus intense que les sessions d'entraînement habituelles. Non, pas besoin. Ce n'est pas un entraînement. Alors, regardez si on pèse la flèche de bas. Là, on peut aller. Si je clique. Enfin, il faut qu'on devienne de vrais héros comme Maximilian. Ça me suffira. Et ici, on va mettre ce qu'on veut en bas. Teniez les orques à distance. Pourquoi je vais faire ça? Ouais, parfait. Oh putain, attends. Coupé. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Je crois que je vais... Peut-être le mettre ici à place. À mesure qu'on progresse, on débloque des emplacements, on peut mettre plus de trucs en bas. Donc... Oh mon dieu, c'est chaud. Ça va le faire! Et regardez... à droite, en haut à droite... plus qu'on va avancer dans les vagues, plus que... Les deux portes, dans le fond, vont... Ils vont s'ouvrir, donc c'est très très chaud. Et, c'est-à-dire ce que j'y pense, on mettra pas des trucs au début. Quand vous avez deux portes qui vont ouvrir comme ça, vous pouvez mettre la fois vos pièges ici. Donc, à place de faire deux fois la même affaire de chaque côté, ben, tu sais, vous voyez, tu sais, les méchants, quoi, ils vont arriver d'un seul chemin. Ça. 8. Allons-y. Et vous pouvez très bien avancer pour toutes les dégâts. Vous voyez, ça donne des petits coups. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Et celle-ci, c'est comme des bombes. Ils arrivent. Wesh. Wesh. Ça va pas marcher. Ah, regardez à quel point tu crèves vite. Quoi? Quand
contre des ennemis, mais ça ressemble à notre bord bleu. On est à fond! Le mana qu'on a fait, regardez, oui. Ah, ils vont arriver d'ici, donc l'astuce, on peut les enlever avec la touche B, et moi, je vais aller... Merde. Je vais aller changer les pièges de bord, et dans la prochaine vague, les deux pauvres de quoi vont être libres. Donc... Okay. Espérons que ça marche. Prêt à y aller. Oh, ok. Attends, peux-tu les avoir du fil? Ah ben oui. Les ennemis attaquent sur un autre front. Allez, allez, allez. Attention, nos ennemis ont à nouveau fait une percée. Je sens blessé. Bon, regardez-les comment ils vont cramer. C'est trop marrant. Ah, ah putain, j'ai mis un piège ici, sale le boudoir. Bon, très bien. On va ramasser. Donc, on voit ici qu'ils vont arriver des deux... Les deux côtés. Putain, ça va être chaud. Ça ira. Peut-être, il est passé ici, ou peut-être pas ici. Et on voit un petit peu comment on peut organiser nos trucs. Ah là, putain, ça va être chaud. Là, on va avoir des trolls. Eux sont beaucoup plus gros. C'est waouh. Prêt? Ouais, comment on va faire? Malgré si on allait se passer dans la faille ici, 2-3, l'important c'est de... C'est sûr qu'on va avoir une note parfaite pour faire attention. Sauf que... Ce l'important c'est de pas tomber à zéro. Ouais. Ah oui, Chris. Il est viré. Wow, ils font mal. Un pour l'équipe de l'or. Ok, c'est bon, on peut continuer. Oui, plus loin, hein, c'est... Ah, pourtant, on n'a pas vu d'orc. Si ça, vous voyez... c'est un stopper d'orc. On voit leur ombrage, ça nous a dit où ils vont traverser. C'est ça, le truc. Donc, je vais peut-être aller mettre un petit piège ou deux devant chaque pont, juste pour les ralentir un petit peu, mais rien du tout. Ça va nous aider s'il en arrive une grosse gang. On va faire pareil de l'autre bord. Ça, c'est seulement pour les ralentir. On a tué une troupe. Mortel. Bon. On a fait le hic. C'est parti. Et on se prépare. Il y a des plusieurs. Oh. Regardez, ça va aider un petit peu. Il arrive tu sur d'autres. Merde. On a. J'espère que les rochers sont moins. Wow. Et bien sûr qu'on va de l'intention de présenter le défi quotidien. Oui, la vidéo à 10 secondes va être un petit peu plus longue que les autres. Il y a des vidéos dans notre salle de découverte, donc je vais aller faire le défi quotidien la semaine après cette vidéo aussi. Bon. Là, c'est la dernière vague. Ça va les prendre au dépourvu. Merde. Là, je crois qu'on est à savoir un boss. Je crois qu'il y a un. Oh, ils sont là. Je m'en occupe. Allez.
quand vous allez pouvoir arriver des pièges, je vais prendre tout de suite ce petit truc-là de lave. C'est très efficace. Je commence à comprendre. Et vous voyez, on est seulement au niveau de difficulté normale, pas le plus faible. Donc, bon. Parfait. Donc, je fais-tu le... Ah, c'est ça! Arcane! Bam! Vous allez voir ce que ça fait comme dégâts, c'est ridicule. Je voulais vous montrer le piège arcane. Est-ce que je fais le défi? Ou je vais continuer? Sorcière, okay. Si seul le plus vieux mage de guerre vivant peut ouvrir des failles... Merde. Vous allez cela voir. Voudrait-il c'est ma affaire pour vous montrer oui, quelques minutes. Après ça, je vais quitter la vidéo pour aller faire le défi. Quoi. S'ouvrira-t-il des failles que les orques pourraient traverser dans d'autres mondes? Okay, c'est bon. Je sais que les failles fournissent de la magie, mais. Regardez cette comment ils vont crever beaucoup plus vite avec. Tenez les orques à distance. C'est, je dois aller chercher des réponses. C'est dégueu alors. Génial. On combat les méchants et elle prend des vacances. Tout va bien. Regardez ces tirés. Ils ont fait une percée via une porte. C'est. C'est trop chité. Je vais porter la première vague, après ça, on va aller faire le défi. Vous voyez que moi, c'est chité. Donc, c'était seulement pour vous montrer. On va quitter. On va aller faire. On va aller faire le défi hebdomadaire, c'est ça. On a débloqué sa fin, on va jouer un défi hebdomadaire, c'est celui-ci. À venir seconde, ah, il y a 9 minutes. Oh, ben écoute, ce sera pour une prochaine vidéo, hein. Je vais le refaire, je l'ai fait, mais j'ai vraiment galéré comme un chien à faire ce défi, parce que vous allez voir que pas c'est hard, si je me plains, peut-être que vous voulez. Vous voyez, en bas, on a des trucs qu'on n'a pas débloqués, c'est normal, le défi, il faut faire avec ce qu'il nous donne. C'est justement ça. Ça marche. Oui, c'est ça, oui, le défi. Alors moi, ce que j'ai fait, je me rappelle plus ce que j'ai fait. 14h50. J'ai trouvé un bon endroit. On va lancer. Je suis prêt, si vous l'êtes. Vous êtes prêts? Parce que c'est moi, c'est oui. Des papillons qui vont distraire les ennemis. Donc, on a plus de temps pour les tuer. Ça, ça nous redonne, je crois, de la vie. Je crois que les ennemis dit. Préparent une percée de l'une de nos portes. Là, et écoute, tu détruis. Ils arrivent. Ouais, vous voyez, c'est comme du goudron. C'est un piège, ça les ralentit. Je vais mettre un truc, mais ça, je n'aime pas ce piège-là. Je sens que je vais. Regardez les patients. Ils virent d'abord par des distraits. Je fais bien. Ah putain, juste mort. Un petit cas de... putain, je suis mort. C'est pas génial que les jeux vous donnent plus de vie? Les ennemis sont à la faille. C'est tellement merde, beau. J'ai mis un truc à ralentir, j'ai pas voulu. Juste là. Wesh, c'est chaud, bordel. Où est-ce qu'on
Wow, c'est parti. On va commencer à attaquer le plus vite possible. Ça vous donne juste le temps pour que jamais qu'il y en a beaucoup qui viennent. Oh ouais. Ok, papillon, j'ai trop de pierre, mais il va quand même être utile. Ils l'ont pas mis pour rien. Boum boum pour vous et boum boum pour vous. C'est le dernier ça, non? On l'a pris le dernier. Comme d'habitude. Je suis ressuscité d'entre les morts. Comme, vous savez, Gandalf. Un peu plus vieux, mais un peu meilleur. Ça va remettre un autre papillon. Plutôt satisfait de ça. Ça m'a fait peur, lui, hein. Bon, ça, c'est la dernière vague pour avoir le défi. Waouh. 4, 8, 9, on va mettre... Allez. On ne s'en reste pas. Peut-être ici. Ouais, voilà. Saoul. Comme un vélo. Ouf, la dernière vague, c'est pas bon. Je crois qu'il y a un boss. Je suis pas certain. Ah, les papillons, c'est ça. Ils sont quand même efficaces. Mais si j'aime pas vraiment ce piège-là. Oh, wow, wow, je suis mort, je suis mort. Mon foie! Faut pas laisser rentrer près, sinon on est cuit. Ils sont presque là! Ah bien! On va devoir arriver, c'est très très bon. Il y a des ennemis dans notre salle de faille! Il ne nous reste que la moitié de nos points de faille! Ah, c'est mort. Retenez-les! Ah oui, je sais, pour ça. Ouf! Ah, c'est plus le dernier! Ah, indiquez-moi juste où se trouve l'after! Il y en a un qu'à deux. Waouh! Waouh! On a-tu battu notre score? Oh, j'ai... Merde, non. Statistique. Ouais, de, ok, ouais, c'est ça, oui. Wesh. Campagne. Si on voit le... Ça, c'est le meilleur que j'ai fait. 3 minutes. Ok, mais ça, on va faire dans une autre vidéo. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Comme que j'ai dit, on va faire d'autres vidéos. On va terminer cette campagne-ci. Pour débloquer celle-ci, et on va également faire ces deux autres-là, il va falloir les acheter, mais ça, ça me dérange pas. On va également tester le mode de Scramble et le mode de sans fin, et on va faire des défis hebdomadaires à chaque semaine. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et on se dit à la prochaine!